Eh oui, mais bon, il faut ce qu'il faut, hein. Voilà. Niveau de plus, amélioration capacité. Qu'est-ce que j'ai gagné comme capacité? Un sprint illimité. Voilà, ça c'est très important. Sprint illimité. Ah tiens, j'avais de la thune disponible. Je suis quasiment au niveau 39. Eh ben, on va carrément se faire ça tout de suite. Ouais, enchaînons, ne perdons pas de temps tant que les... Attends, il me semble que... Ouais, voilà. Started drinking early, did you? That's what you do with these things. So everything's all set? We're at the broken shillelagh right now. Putting on the finishing touches. I'll head over soon then. See you when I see you, boss. And try not to pass out before I get there. Me? Oh. Ouais, ouais, c'est ça, il va bien. Promise. Il est à moitié pété, ouais. Alors, attends. C'est sprinté pour accélérer. Et on décolle! C'est maniable ces petits jets. Mm-hmm. Mon petit coucou, ça va aussi. Allez, on va retrouver Kenzie au bar au Broken Shillelagh. Shillelagh. Wow, ouf, aïe, voilà, je me suis explosé comme une grosse merde. Voilà, ça c'est fait. Si tu pouvais vite te dépêcher. T'inquiète, j'arrive. Ouais, come on. Lève-toi. Allez. Ouf, merci. Chou cul là. Je viens de calculer qu'on a fait une grosse connerie. Ah. On a oublié d'aller au Friend Fire. Ah, bon, on va s'arrêter avant. We've lost a lot of friends getting to where we are, and that's never easy. But at least we know that wherever Gat is, he's got friends giving St. Peter some hell, hein? Shandy. Et maintenant, on va s'amuser. Oh my god. En fait, quand t'as dit oh mon dieu, je voudrais le même. C'est clair. Je suis sûr qu'elle en rêve, qu'elle rêve de pouvoir aller bidouiller dans les systèmes informatiques de ce machin. Et maintenant, on va rigoler. Ah ouais, là, ça va être mortel. Ce que je trouve dommage, c'est qu'on puisse pas garder ce truc quand même. C'est un porte-avions... avion. Oui, voilà, c'est un porte-avions volant. Mais ce que je me dis, c'est que dans cette fin, on leur aura vraiment coûté très cher au stack. On leur a pété deux super cargos, on leur a pété un porte-avions, et là, on vient de leur péter leur porte-avions volant. On va leur péter, on va tout faire pour leur péter. Allez, on va le démolir. Et finalement, quand tu regardes ici, il y a vraiment tout le monde qui crève, puisque Cyrus Temple, il crève, Kia, elle crève. Faut aller récupérer un hélicoptère. Allez, faisons ça. Et Friendly Fire. Je préfère un Vettel. Wow. Friendly Fire, mon petit. Friendly Fire, oui, avec est là. Ah oui. Je m'éjecte. Et nous, on va faire nos courses. Voilà. Tu vois, c'est viré l'indice de recherche quand même. Qu'est-ce que nous a dit? Elle nous a dit qu'elle essayait de faire un truc. De récupérer les plans, il me semble. Ah oui, voilà, c'est ça. Allez, c'est parti. On est parti. Je suis plus fast push, fusil à pompe, ça. Hop. Allez, come on. Allez. Invite chercher un hélicoptère. Ça, c'est un départ sur les chapeaux de roue. Totalement. Ça pète de partout. Ouais, bon, aller chercher l'hélico à la maison. C'est ça. Oh putain! C'est le chaos absolu. Hey, récupère le Vettel hein, par contre. Hein. Prends pas un hélico tout basique. Hein. Parce qu'apparemment on va pouvoir le choisir. Ah, on va y...
Je me rappelle plus de stuff, hein, tiens. Ah ouais, je sais qu'à la fin, il y a Cyrus qui se fait défoncer. Ah ben non. Oh ben on a des hélicoptères simples. Je prends celui de droite. C'est parti. Allez, en avant. Dédale, nous voilà. Dédale étant le père d'Icare et aussi l'inventeur du labyrinthe qui vit enfermer le Minotaure. Tu connais de la mythologie, dis donc. Donc le père d'Icare s'appelait effectivement Dédale. Moi je connaissais le Dédale, un bateau, un navire de guerre romain ou grec, je sais plus. Oui, qui était assez. Justement, qui en était... hommage à ce brillant concepteur de labyrinthe qui était. Vas-y, jette-toi dans la turbine, juste pour rigoler. Volontiers, allez hop. Non, mais c'était une blague. Ah, trop tard. Alors là, on va s'amuser. Command le tank, c'est parti. Ouais, je suis fou, moi, je suis sous la turbine, ça brûle, hein. Ah ouais, je me suis fait one shot en fait. Tant pis. Et tu es en train de tomber comme une grosse merde, je suppose. Ah ouais, là je tombe, je me suis fait one shot par la turbine. C'était pathétique. Oh mon dieu. Cyrus s'est échappé, sans déconner. Non, mais je suis mort entre temps, donc. Ah ben voilà, ben ça me ramène directement sur le pont. Problemo resoluto. Venez là, les mecs. Je nettoie ces crétins pendant que t'as qu'à t'occuper. Oh, je me suis fait jeter à terre par le bouclier. Laissez-nous poser la bombe. Secret de Et j'ai envie de dire pourquoi s'emmerder à aller à courir. Totalement. Hop, on prend un Vettel, on y est déjà. Enfin, un Condor. Et voilà. Je suis déjà à la deuxième bombe. Moi, je nettoie un peu le pont, hein. Faut récupérer un condor là pour monter. Je viens te chercher. Ah oui, je vais devoir vite venir te chercher. Non, c'est mort là. Oui, tu tombes. J'étais sur un vieux débris. Voilà, alors je t'explique. Tu as vu ce qui s'est passé. Le tank a pété sans que je puisse rien faire. Je me suis fait éjecter du truc et je suis lamentablement tombé. J'ai vraiment alors, pas de bol. Suis-moi, s'il te plaît, suis-moi. Oh ouais, t'inquiète, je vais aller nettoyer les mecs. Si tu veux, vas-y, pose les bombes, je sors le snipe. Vas-y, pose les bombes. Je tue des stags, moi. C'est ta partie, pose tes bombes. Alors, tu veux, je me fais la couverture aérienne. Tu me fais pas de couverture du tout là, tu le sais au courant. Parce que je me fais tirer dessus. Okay, je te couvre. Good girls kick ass. Tiens. Mon snipe dans ta gueule, toi. C'est qui me tire dessus là? C'est toi, hein? C'est moi, c'est ici. Tiens.
Je m'amuse au sniper, moi, si tu veux tout savoir. Allez, go chercher un condor. Tu montes, commence à nettoyer le temps que j'arrive. Ouais, là je commence à fumer. L'enculé m'a fait mal à force. Look at this fucking thing. Your tax dollars at work. Oh, not mine personally since I don't pay them, but maybe I should start. When this is over, I'll steal the blueprints from the DOD. A few years, we can probably build our own. Kinsey. Oh, on aura le même, mon dieu, qu'est-ce que je rêve de pouvoir piloter ce truc. Ça risque d'être gros quand même à piloter. J'espère que t'as pris le processeur. Bien. Allons, tu me prends pour qui? Tu crois vraiment que je vais me balader sans mon processeur RC, toi? Depuis que j'ai ce truc, je ne l'ai pas. Ok, je me suis explosé la tête la première. Voilà, littéralement. Si je saute, je meurs là. Attends, je vais attendre que ma vie régène un peu. Dépêche-toi. Dépêche-toi. C'est bon, c'est 4, je suis tombé comme une grosse merde. Voilà. Ouais, totalement. Oui. Voyons, qu'est-ce que je vais prendre là? Qu'est-ce qui est le plus approprié? Le pompe. Allez, gardez le pompe pour l'instant. Et une juste pour moi. Ah. Je sais pas pourquoi ils tirent vers le ciel ces trucs. Je l'ai touché ou pas? Touché. Chargé. Oh. Charge de ce qui arrive en haut, moi je m'occupe de ce qui est en bas. Je suis en train de tirer sur Cyrus, moi. Très bien, c'est ce qu'il faut. Oui, sauf que là j'ai besoin d'aide. Occupe-toi de lui, je m'occupe d'eux. Allez, ramène ta fraise. Touché. Encore touché. Ah oui, mais ça lui fait rien. Oui, c'est scripté. Merde, ça craint. Ouh, il y en a un en bas là. Bonjour les copains. Qu'est-ce que c'est ça? Des batteuses, t'as une batteuse si tu veux. Moi j'ai pas besoin de batteuse, mon capé. Oui. Ouais bah au pire. Je sais pas sur quoi il tire là par contre, hein. Touché. Oh, tu l'as touché, tu l'as démoli. Eh, jusqu'à la fin. C'est l'atterrissage, ouais. Bon. Oh putain. Il faut s'enfuir. Enfuyons-nous. Il y a du vétol. Vite. Ça je prends celui de droite. Ah, tu fais chier. 29 secondes et tu nous as violemment percuté l'un l'autre. Et sans t'en piquer, et voilà, nous nous sommes échappés. Et là, bim, bam, badaboum. We have destroyed the Daedalus. Ça, c'est fait. Kinsey, round up everything we can find. Ah bah là, tu peux pas rêver pire fin. While the government has yet to comment on the attack, we have a report. No one runs, no one gets shot, understand? Ouais, coucou, je te donne mon fusil. Kinsey, you in the booth? All set. I got a message from Monica Hughes and her stooges. Yes. Steelport is under new management, and we don't answer to you. This is foreign soil now.
Come at my city again, and you'll go home in a fucking box. Back to you. Merci. Not bad. You could be a weatherman or some shit. I may have laid it on a little thick. Well, you did just create a city-state. Good point. Hey, that reminds me. This place is gonna need a new mayor. How do you feel about public office? Horrible idea. Ah, bien sûr, allez, tiens, allez. Une horrible idée. Ça, c'est fait. Mais voilà, je déteste cette fin. On a déjà fait le générique hier, donc on va passer le générique. Allez. Par contre, là, je te dis, on va garder cette partie-là pour continuer le reste, parce que j'ai toutes mes améliorations, là. Je viens de prendre 3 niveaux d'un coup, la podgate zombie, encore. Tenue toupée gonflable encore, la tenue des chiottes, l'armure du stag, le vétole de Cyrus. Ça c'est cool, par contre. Il est stylé le vétole de Cyrus quand même. Pourquoi tu dis Cyrus? C'est Cyrus. Oui, pareil. C'est parce que c'est un Y. Et alors? Eh ben, quand c'est un Y, tu dis Psy, pas Psy. Voilà. D'accord, ok. Tu m'emmerdes. Voilà. Mais oh. Sale petit con. Sale petit con. Et ce qui fait mal ton truc à la con là. Alors, définitivement, j'aime pas cette fin, même si c'est cool. Non, mais par contre, je pense qu'on va continuer sur cette fin, sur cette partie là. Pour enlever Toll Noir, je l'adore. Ouf! Wow! Eh ben dis donc, c'est laborieux! Alors, que veux-tu faire? Tu veux retenter le panda? Allons faire les picots avec le panda. Ah, tiens, attends, je peux améliorer mes capacités. Deux petites secondes. Ah, sprint niveau limité. Parfait. Vétole des Vétole. Attends, où est-ce qu'il est celui-là déjà? Je m'en rappelle plus. C'est pas celui-là, c'est celui-là. En avant. Voir s'il n'y a pas Shandy et Viola qui traînent par là. Cascade aérienne. Ah ouais, ok. Eh non, il n'y a personne, malheureusement. Là, je me suis auto-éjecté de mon vétole dès que tu l'as lancé là. Ouais, 3 types de vétole différents, 3 temps de tank différents, c'est formidable. Allez, on est parti. Donc, même manip que tout à l'heure, on se remet sur le même toit. Alors, faut essayer de faire peur au mec en fait et qu'il y en ait un qui se barre dans le canon, tout connement. Allez, cours, cours. Vas-y, cours dans le canon, là. On rigole. Allez, cours un peu. Allez, je shot les deux en même temps. Il n'y en a aucun des deux qui court. Bon, on n'aura pas de top of cool ce coup-ci. Tant pis. Vas-y, cours-lui après, le tue pas, il va peut-être aller dans le canon. Non, il y va pas, va le rattraper. Il va y aller. Oh, putain, merde, j'en ai un autre qui me... Il s'est fait du kitting. Oh, chaud du... C'était chaud là, chaud. Chaud cul. Je vais sur le toit des gâtes. Je sais pas encore, hein.
Bah moi je suis sur le pas des gars, donc en plus. But the unethical targets are the ones usually avoided by people. So you're saying it's better to be ignored? No wonder she's so depressed. Et courez dedans, courez dedans. Ouais, j'ai deux mecs, j'ai deux gars qui sont dedans là. Putain, monte au moins. Non, ça monte pas. Mais c'est parce qu'il faut top of cool. On voit le top of cool. Attends, j'y retourne. Pourquoi j'ai pas le top of cool là qui s'est déclenché? J'ai un canon qui a bug là. Ah merde, moi je suis obligé de partir, j'ai pas fini les canettes. Ah oui. Pourquoi il me... Ah non, je suis rentré dans le canon, merde. Non, il est pas rentré, il voulait m'attaquer. Bon, ben tant pis, on l'aura pas. Oh. Ah, si, il me reste un gâte là. Tu le mets. Oh, il est mort. Non, non, mais si, regarde, c'est qu'ils sont passés dans le canon en fait. Il est passé, ils sont bien partis dans le canon en fait. Hein. Ça, ça a pas marché là ce coup-ci. Ça a bugué, oh. Mais. Il bug hein, en fait. Je vais atterrir super loin et puis je vais essayer de voir. Je vais atterrir dans la rue, tiens. Oh là là, ce vol plané! Je suis à l'autre bout de la carte là. Ah, j'ai tronçonné! Ah, j'ai tronçonné un membre de gang qui est passé là au mauvais moment! Ah, on y repart là un coup, allez! Non! Si, 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 si! Non! Non! Aïe. Ah non, t'as pas le droit de les sortir haut. Je suis à main nue, moi. Oh, pourquoi toi ça te fait rien? Moi ça m'a envoyé valdinguer. Aïe. Moi ça fait rien. Oh. Cet épisode de Saints Row est maintenant terminé. S'il vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit j'aime sur la vidéo, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez trouver l'épisode suivant ici, et l'épisode précédent ici même. Vous pouvez également partager les vidéos sur Facebook et sur Twitter, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous propose de vous abonner à la chaîne si vous souhaitez en voir plus, et si vous souhaitez suivre nos aventures sur Saints Row The Third. Humble salutation, c'était TX9000 et merci d'avoir visionné nos vidéos.